Nous ne sommes pas familiers, s'il te plaît. Tu es venu pour moi aujourd'hui ici. Je suis venu pour toi. Je suis à mission. Ah, toi. Mais il fallait me dire que tu venais à mission. Il fallait me dire. Donc je tu ne veux pas marcher avec toi. Ouais. Je te rappelle que depuis que ton frère est mort, ça fait 6 ans. C'est dans ça que j'envoie mes enfants à l'école. C'est dans ça que je les nourris. Tu as compris? Toi, tu n'as jamais accepté un cahier à un enfant. Tu as compris? Moi-même, je vais te rappeler que du vivant de mon frère, je ne souffrais pas. Je n'avais pas de problème de nourriture. Donc là où je suis là, après ce que tu peux mélanger là-bas, tu me donnes, je mange. Il n'y a pas. Voilà ce que ma part de frère a pris comme femme. Charles, je ne te permets pas. Ne me fais pas, Franchement, toi-même, tu es âgé, c'est même pas. Je ne pas. Mais là d'ailleurs, je l'ai même plus fait, maman, bye. Allez chez vous. Ne pas toi mis tes seins dehors. Reviens encore ici demain voir. N'importe quoi. Ça ne faut pas m'énerver. Tu as même quelle charge. Tu as quelle charge là où tu es là. Les choses de mon frère, je vais manger. Je vais manger. Ma chance. Hé, tout ça c'est Déborah. Si Déborah m'avait donné les aliments depuis le matin, c'est que je ne suis pas dans cette situation. J'ai perdu au moins 13 clients, au moins. Je sais pas ce que je vais faire de cet enfant. Et un jour, je ne vais pas réussir dans ma vie. Ferme ta bouche. TikTok. Maman chérie. Ma mère. En plus, tu es allé chercher ce qui ne donne pas. C'est comment installez-vous? On a très faim. Ah bon? Non, je vais vous servir, vite fait. Ok, maman. Demi-plat, un pain avec deux tasses. Deux tasses. Okay. Ok, attendez, je peux chercher les allumettes. Ok, pas de problème. Bien mangé. Bité, pourquoi tu portes encore tout? Tu avales comme tu viens de faire là. Tu veux bité. Ok, Sonny. J'ai mangé, non? Tu veux bité. C'est quoi le plat là, tu manges. C'est quoi donc le problème? J'ai arrêté même pourquoi je mange pas. Tu sais pas que je mange doucement. Et mon problème là, c'est quoi? Ton problème dedans, c'est quoi? J'avais bien fait. En venant, je sais pas que j'avais faim. En venant ici, on avait un plan. Tu avais 200, j'avais 400 et on était censé manger ensemble. J'ai pas refusé, voici mes 200, donne-nous tes 400, on paye. Je ne donne pas, quand tu mangeais, tu as mangé avec moi.
Donc, on a simplement. Je n'ai pas l'argent, je ne paye pas. Quand tu mangeais, tu n'as pas pensé que tu pouvais manger avec moi. Tu ne payes pas en vertu de quoi? Donne tes 400. J'ai dit que je ne paye pas, je n'ai pas l'argent. De quoi discutez-vous, mes filles? Ma, c'est elle, non, Sonia, elle ne veut pas de son argent pour qu'on paye ou pas. Voici mes 200. Donne tes 400, Sonia. Donc, c'est le problème d'argent que vous discutez. Hein? Ma, c'est elle qui veut de son argent, elle veut de son argent. Continuez à discuter. Maman, le téléphone que tu as pris là coûte 500 000. Va payer ton plat là-bas, me donne mon téléphone. Donne ton argent, on paye, on passe, comment? Maman Choco, voici 400. Je veux 600 francs ici. Mettez 200 ici. Donne-moi ça. Les jeunes filles, pour un prêt de 600, elles sont incapables de payer. Hey! 600 francs, 400 francs. Hey! Parce que la vie est facile. Je n'avais jamais rencontré une femme aussi belle comme toi. Là, c'est le propre des hommes. Toujours en train de dire les choses qu'ils ne pensent pas eux-mêmes. Juste pour faire plaisir à la femme. Écoute. Je pourrais le dire sur tous les toits si tu le veux. En tout cas, Naïf est la femme qui ne sait pas que vous le dites à toutes celles que vous rencontrez. Et que le vrai sens de ce mot, c'est... Je veux juste découvrir ce qui se cache entre tes cuisses. Le pire, c'est que vous ne vous fatiguez jamais de parcourir les cuisses des femmes. Tu penses que si on rencontrait une femme et on lui disait directement « Je vais découvrir ta paume de Vénus », elle nous suivrait? Moi, oui. Parce qu'il est direct. Et par curiosité, j'aurais envie de savoir s'il fait ce qu'il dit. De toutes les façons, l'expérience a démontré que les femmes n'aiment pas la vérité. Elles se plaisent dans le mensonge. La cuisson, la mayonnaise Mado, vinaigre Mado, du lait, je vais emporter ça Mado. Dans mon cafétéria. Ah oui. Et là, tu as des spaghettis de haute qualité. Hey, c'est déjà écrit Mado. 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 Mais mon chéri. Et enfin, tu as du sucre Mado. Merde. Merci beaucoup. Tu sais, j'ai un ami qui. Il fait dans ses produits, il m'a fait déguster. D'ailleurs, qualité goût numéro 1, qualité prix incomparable. Oh! J'ai dit, ça, c'est pour Maman Choco. Merci. Il était une fois. Une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces passent par là. Elle met la maman Choco, elle n'était pas facile.
un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école, pour survivre dans la vie. Chose promise, chose faite, directement.